Alors, le visa Canada, ça fait combien d'années que tu baignes dans ce marigot? Bon, depuis 2016. J'ai commencé à faire en 2016. J'ai arrêté en 2020, honnêtement. Quand il y a eu le corona, là, moi, j'ai arrêté tout ça parce que, bon, avec l'histoire de COVID et tout, bon, c'était vraiment arrêté aussi en même temps. Et puis, bon, j'ai débuté ça en aidant quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un et puis après ça, c'est vraiment du bouche à oreille qui fait que j'ai envoyé peut-être une trentaine, quarantaine de personnes au Canada et aux États-Unis pendant ces temps-là. Donc, et voilà. Comme tu es un visionnaire, tu en as fait un business. Bon, oui, en fait, c'est parce que je trouve que présentement, il y a beaucoup de gens que j'ai envoyés au Canada et puis les gens, c'est toujours par référence. Tout le monde me contacte et puis moi, je refuse toujours les gens présentement. Et puis j'ai dit, pourquoi pas rassembler tout le monde pour leur montrer comment eux-mêmes monter leur dossier. C'est, okay. En fait, c'est l'idée en fait, de la formation que je mets en place. Mm-hmm. C'est que, bon, moi, quand je montais les dossiers, je faisais ça vraiment moins cher, mais il y a des agences qui prennent 2 millions, 3 millions, 4 millions exactement. Pour pouvoir faire ça. Et puis, en fait, un montage de dossier, c'est pas trop compliqué, mais il faut connaître l'information de base. Et puis, les gens, souvent, n'ont pas l'information. Je dirais que 9 personnes sur 10 n'ont pas l'information ou ne recherchent pas l'information. Parce que toute l'information est sur Internet, finalement. Mm-hmm. Mais des fois, se retrouver peut-être dans l'information est un peu compliqué. Et puis bon, pour moi, en étant Canadien, au niveau, par exemple, visa études, tout le cursus scolaire, bon, c'est plus facile pour moi de pouvoir conseiller, par exemple, quelqu'un que quelqu'un qui n'a jamais été là-bas. D'accord. Donc, bon, c'est dans cette optique-là que j'avais commencé ça. Et puis, c'est pour ça que je veux faire la formation pour montrer aux gens et puis, bon, les accompagner par la suite. Alors, mais pour que ce soit eux-mêmes, quoi, qui prennent en charge leur destinée. D'accord. Alors, quel est le contenu, le sens même de cette formation? Mm-hmm. C'est de venir s'asseoir et on t'écoute nous expliquer comment partir au Canada ou bien il y a des modules bien précis? Tout à fait. En fait, il y a 5 types de visas différents qu'on peut avoir pour aller au Canada. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Mm-hmm. Donc, la première des choses, c'est qu'on va parler, bon, premièrement, des 5 types de visas. Donc, il y a visa affaires, il y a visa tourisme, il y a visa étudiant, il y a résidence permanente et puis il y a employé qualifié. Oui. Donc, employé qualifié qui veut dire, bon, immigrer et avoir un travail sous la base d'un travail qu'on va aller travailler, par exemple, au Canada. On dirait que 75% des gens, c'est surtout ce volet-là qui les intéresse, qui les intéresse le plus. Donc, on veut qualifier les gens qui seront sur place. Mmh. Et puis après ça, bon, parler chaque module, en fait, chaque visa a son module. Et puis, les choses à faire et surtout les choses à ne pas faire pour pas, bon, gâter ton dossier. Ça, parce c'est que clair. Parfois, t'as une personne qui peut vouloir avoir son visa pour le Canada, mais il n'est pas aujourd'hui apte parce qu'il ne réunit pas les conditions. Mm-hmm. Mais là, il va forcer, il va avoir un refus, et puis ce refus-là va le suivre dans le futur. Tandis que peut-être que s'il avait eu la bonne information, aujourd'hui, s'il attendait peut-être 6 mois, 1 an, avec la bonne information pour qu'il puisse cadrer vraiment dans le programme canadien, là, dans 6 mois, 1 an, il va pouvoir y aller. Donc, alors, c'est un peu l'idée de la formation, en fait. D'accord. Monsieur Patrick Gagnon, est-ce que tout le monde peut immigrer au Canada? Bon. Parce que généralement, ceux qui veulent immigrer, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis ou en Europe, ce sont des personnes qui, forcément, ne tirent pas leur épingle du jeu ici en Afrique, au Burkina. Mm-hmm. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui sont à la recherche, tous ceux qui veulent s'en sortir, est-ce que tout le monde peut aller au Canada? Bon, tout le monde peut aller au Canada. La réponse est oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut aller dans chaque type de visa chaque opportunité qu'il y a. Par exemple, par rapport à l'immigration, on a besoin d'avoir un minimum de connaissances de français parce qu'il y a un test de français qui doit être fait au niveau de l'Institut français. Donc, si tu es en bas du BEPC au niveau scolaire, c'est difficile pour toi de pouvoir avoir accès à ça. Ouais. Donc, au niveau visa étudiant, ça sera pas possible. Travailleurs, ça ne sera pas possible non plus. Résidence permanente non plus, ce ne sera pas possible. C'est là que, bon, ces types de personnes-là, par exemple, vont plus aller vers le visa tourisme ou le visa affaires. Bon, ce n'est pas tout le monde qui sont dans les affaires. Oui. Donc, et puis, ce n'est pas tout le monde qui ont les moyens aussi de faire le tourisme. C'est ça. Donc, quand on sort du cadre professionnel, souvent, c'est les moyens qui font aussi la différence. Mais pour l'immigration en tant que telle, le Canada ne regarde pas les moyens, regarde surtout la compétence. Okay. Et puis, par la suite, pour le tourisme à faire, ça va être plus les moyens financiers pour être en mesure de prouver, par exemple, que si vous allez au Canada, vous allez revenir par la suite parce que vous avez un visa tourisme. Mm-hmm. Donc, vous n'allez pas faire de façon pour arriver et puis... Donc, c'est un peu ça. D'accord. Oui. Moi, c'est que
aujourd'hui, c'est un très bon programme, il faut le dire, parce que vous n'êtes pas certainement la seule personne à lancer certainement ce programme-là à Ouagadougou, à aider les gens à aller certainement à immigrer au Canada ou aux États-Unis. Alors, Patrick Gagnon, qu'est-ce qui peut vous crédibiliser aux yeux de la population burkinabé? Nous savons déjà que vous êtes Canadien, nous savons. Moi, je veux dire, qu'est-ce que peut vous crédibiliser aux yeux de la population pour que, franchement, on adhère à ce séminaire, à cette formation-là? Est-ce tout simplement le fait que vous soyez Canadien, ou encore est-ce le fait que je suis Canadien, mais en même temps j'ai des partenaires au Canada et au Burkina Faso qui facilitent forcément le chemin pour ces personnes qui vont adhérer à cette formation? Bon, le fait d'être Canadien, c'est un atout, là, je vous le cacherai pas, effectivement. Mais dans le cadre de la formation, on a un partenaire d'immigration qui est là avec, en fait, c'est un cabinet de recherche d'employés en Afrique. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des employeurs au Canada. Et puis, ils recherchent des employés, bon, pas seulement au Burkina, hein, mais partout en Afrique. Donc, bon, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et tout, pour combler les postes. Parce qu'il faut comprendre qu'au Canada, en fait, dans les années 50-60, il y a eu un baby boom qu'on appelle. Et puis, chaque famille a eu 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Et puis, bon, moi, je suis né de ces enfants-là. Donc, ma maman, elle a eu un enfant. Moi, je suis enfant unique. Donc, elle est part d'une famille de 6. Et puis après ça, c'est famille de 1, 2. Donc, tous ces gens-là sont partis à la retraite ou en train de partir à la retraite. Donc, on se retrouve avec 6, 7 personnes sur le marché de l'emploi. Et puis, il y en a seulement 2 pour les remplacer. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend parler qu'au Canada, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est parce qu'il y a vraiment un trou béant. Puis même le gouvernement, le premier ministre du Canada a annoncé il y a 2 semaines ou 3 semaines que d'ici 2025, ils veulent accueillir jusqu'à 500 000 immigrants pour combler les postes de travail. Donc, il y a plusieurs agences canadiennes qui se sont créées dans ce sens-là. Et puis, c'est dans cet appui-là en collaboration avec eux, en fait, que je monte la formation. Okay. Donc, voilà. D'accord. Et pour cela, vous nous donnez rendez-vous le samedi 10 décembre. C'est ça, exactement. C'est une journée complète. Ça débute Est-ce à 8h. Est-ce qu'une journée peut nous permettre d'avoir la quintessence même de l'information? Le fond de l'information, oui. Par la suite, ça va permettre à tout le monde de pouvoir se qualifier, savoir bon, où ils peuvent se diriger. Et puis, suite à la formation, tout dépendant de chaque profil, on offre aussi le suivi pour chaque personne qui sera là. Donc, par exemple, quelqu'un qui se qualifie pour un... Exemple, au Canada, on a beaucoup besoin de soudeurs. Beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des soudeurs. Donc, si vous êtes un soudeur qui a plus qu'un BEPC, les possibilités d'emploi sont très bonnes. Donc, par exemple, on a 5 soudeurs qui participent. Et puis, bon, ça sera directement mis en contact avec l'agence qui vont pouvoir regarder déjà pour les recruter. Mais aussi, tout l'accompagnement qui se fait pour le montage de dossier, mais aussi l'arrivée au Canada, recherche de logement, et puis préparer aussi l'entrevue avec l'employeur. Parce que, bon, déjà, le langage est différent. Oui. Et puis, très, très différent même. Parce que quand je vais au Canada avec mes enfants, ils parlent avec mes oncles me demandent, mais ton fils, il dit quoi? Il dit quoi? On parle même français. Donc, il y a vraiment un processus à suivre. Et puis, bon, on veut faire en sorte... C'est pas moi qui s'occupe de toutes les étapes, mais moi, je m'occupe de faire la formation, de rassembler les gens. Et puis, le suivi par la suite est fait avec l'agence partenaire. Mais quand même, vous allez mettre les gens en contact avec ces agences. Tout à fait. Vous vous contentez seulement de les former et puis bon, c'est tout. Non, bon, en fait, moi, je suis toujours les gens jusqu'à la fin. Hein. On va créer même un groupe WhatsApp. Si aujourd'hui, vous êtes un profil fonctionnaire et puis il n'y a pas de poste pour vous, aujourd'hui, le 10 décembre, bon, ça ne veut pas dire que le 10 janvier, il n'y en aura pas. Donc, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux postes qui vont suivre, on va aussi les balancer dans le groupe. Et puis, bon, comme je dis à tout le monde, j'accompagne exclusivement les gens qui participent à la formation. D'accord. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit plutôt au même niveau d'information. Et puis, je pense que c'est dans la connaissance qu'on peut avancer. Et quelles sont les conditions de participation? Conditions de participation sont de 165 000 francs CFA par participant. Et puis, après ça, il faut avoir un bon niveau de français. Si on n'a pas un bon niveau de français, puis on n'est pas en mesure de pouvoir bien me comprendre, c'est un peu compliqué. Donc, si par exemple, quelqu'un a un moins bon niveau et il y a son petit qui a un meilleur niveau, bon, peut-être, si c'est son petit qui vient, ça serait mieux. Non, là-bas, on ne parle pas Moré. Bon, Moré, c'est Bilibilfou, Bala. Un peu comme ton Moré à toi, là. D'accord. Oui, il est tranchant. Il était dit. Oui, c'est ça. Un peu comme mon Moré. Il est très fort, ouais. D'accord. Alors,